Tu veux venir manger? Tu veux manger? Tu veux descendre? Tu veux descendre pour manger ça? Hein? Tu as vu, hein? Tu peux pas t'empêcher, là, hein? Tu dis, oh, papa, il a mis des friandises. Salut, toi. Oui, je sais, j'avais dit qu'il n'y aurait pas de petit café aujourd'hui. Alors, du coup, je l'ai enregistré hier soir. Enfin, hier, fin d'après-midi. J'ai pas arrêté, là. J'ai couru aujourd'hui, mais j'ai aussi fait du vélo avec Jackson et Suki. Si, si, regarde la photo, une petite photo que Timothy a voulu prendre en me voyant partir. Elle m'a dit, waouh, papa, ça vaut une photo. Donc voilà, j'ai voulu un petit peu décompresser hier. On est parti au moulin. Oui, puis là, à ce moment-là, je suis tranquillement avec mes deux bébés et je reçois un bip-bip, tu vois, comme j'en reçois régulièrement. Je reçois un bip-bip, puis là, je regarde, tu vois. Le patron, le boss. Ouais, 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 c'était le boss qui était là, hein, qui m'envoie un message. Il me dit, Benny, bravo. Hein, il y a une chaîne avec avec presque 350 000 abonnés qui te fait de la pub. C'est quoi ça? C'est une blague. Puis je l'appelle. Là, oui, je lui demande, je suis en balade en ce moment, je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah, bah, c'est un de mes youtubeurs. Je le suis, c'est vraiment un mec super génial et tout ça. Et il a une chaîne qui s'appelle Snake Reptile. Et il vient sortir une vidéo et puis il parle de toi, tu vois. Je dis, mais je sais qui c'est Snake Reptile. Je lui ai parlé il n'y a pas très longtemps. Là, on a échangé deux, trois petits messages en dessous de nos vidéos. Il est venu me féliciter pour un truc, enfin bref. Et puis il me dit ça, je dis, bon, écoute, je suis en ce moment avec Jackson et Suki en train de se faire une balade à vélo. Je dis, je rentre à la maison, je vais regarder ça. Écoute, je suis rentré, j'ai mis la vidéo, j'étais avec Indiana et Timothy. Voilà quoi, ben, forcément, hein, t'as de l'émotion, les larmes qui montent, les frissons qui se dressent, enfin les poils qui se dressent, des frissons partout. J'ai pas pu m'empêcher, hein. Oui, je sais, ça. Alors on me dit, ouais, mais. Si, c'est quand même drôle, tu fais une vidéo spéciale pour remercier un autre youtubeur. Je dis, mais oui, mais regarde, ils n'ont pas hésité. Moi, je pense que ce qui fait que ça fonctionne bien, hein, avec tonton Snake, hein, et tati Célie, hein, c'est parce qu'ils sont un peu comme moi. Tu vois, on fait ça direct, quoi. On y va avec notre cœur, tu vois. Et du coup, voilà, je suis dit, allez, hop, Jackson, on retourne au moulin. On va faire une vidéo spéciale pour Tonton Snake. Alors j'ai dit, qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai dit, attends, on va l'énerver un petit coup. Hein, on va lui faire. On va dire qu'on fait un spécial comment apprivoiser un Eclectus, tu vois. J'ai dit, quand il va voir le titre, il va dire, mais quel con! Mais qu'est-ce qu'il nous fait là? Et ben non, hein, c'était ma façon à moi de vous dire merci, hein, de dire merci à Tonton Snake. Tout simplement, ben voilà, quoi, c'était pour dire un gros merci et que moi, je ne ferai pas le spécial Eclectus puisque ça va vous être réservé. Hein, vous avez l'intention d'adopter un Eclectus, de montrer comment que ça se passe, comment vous allez l'apprivoiser, comment vous allez évoluer avec lui. Eh bien, je vous le confie complètement, ce bébé-là. Et voilà, ça me fera plaisir, moi, d'aller voir vos vidéos et de voir un petit peu comment vous présenter ce magnifique perroquet qui est un oiseau fantastique. Et j'en dirai pas plus, je vous invite donc à aller faire un petit tour sur la chaîne de ce youtubeur. Franchement, quand on a une chaîne YouTube ici au Québec et qu'on a un youtubeur de France avec 350 000 abonnés qui nous fait de la pub, eh ben on peut pas être plus que ça heureux, quoi. Donc voilà, merci beaucoup. J'espère que tu as apprécié la petite vidéo. Puis comme je vous l'ai déjà dit, si vous avez besoin de quoi que ce soit, hein, ça me fera vraiment plaisir, vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Donc, la journée d'hier, c'était fantastique. Hein, ça fait drôle de dire journée d'hier quand c'était juste aujourd'hui. Mais bon, c'était une journée comme ça, remplie de surprises, remplie de gentillesse, d'amour, de partage. Oui, oui, oui. Parce que pendant que je suis en train de tourner la vidéo pour dire merci à Tonton Snake, j'ai mon téléphone qui fait des bips, hein, vous l'avez peut-être entendu dans la vidéo. Et là, en fait, le téléphone, c'est encore une fois mon messenger, hein, ce que je reçois régulièrement, hein, des bips de mon messenger.
Et puis, écoute, je regarde, puis oh, tiens, une de mes abonnées, parmi celles qui me laissent des super messages sous mes vidéos, c'est Sophie, hein, Sophie de Baume. Alors moi, je disais Sophie de Boum. Non, c'est de Baume, hein. Voilà, c'est comme ça que ça se prononce. Et comme je vais pour faire le tournage, je suis en train de faire ma mise en place, mon micro, elle m'envoie un petit message de bonjour, salut. Je dis, bon, qu'est-ce qu'elle me veut encore? Et c'est arrivé avec Martine, c'est arrivé avec Mireille, c'est arrivé avec Simone. Je l'ai fait avec pas mal d'abonnés, hein. Comme ça, ben, je prends mon téléphone puis j'appelle. Ah oui, bing, j'ai pas le temps de taper. Là. Je ne suis pas la génération avec les lampes rousses, moi. Non, non, non. Donc, je dis, tiens, je l'appelle. Et puis voilà, on a discuté avec Sophie. Superbe conversation. On se rend compte à quel point la chaîne peut servir. Cette chaîne nous réunit. Cette chaîne nous permet de créer des amitiés entre vous, mais aussi entre nous. Et on a pu discuter de pas mal de choses, de sujets qui l'ont intéressé, de sujets qui l'intéresseraient, etc. Et bien sûr, elle a régalé le café d'hier matin. Et elle était intéressée par celui de maintenant, quoi. Avec le fameux Ajor. Ouais, les gens Ajor. Oui, effectivement, je suis tombé sur lemonde.fr et on a cette histoire de cette jeune fille, d'abord, elle s'appelait Yann, hein, YA2N, hein, qui à 14 ans décide qu'en fait elle est un gars. Hein, elle veut être un homme, donc elle se fait opérer, etc. Elle devient un homme. Et là, elle s'appelle Yel, mais c'est de Yel, quoi, IEL, hein, c'est un pronom non genré. Et elle a une maman de 43 ans qui est professeure dans un collège, etc. Et voilà que elle décide hein, que. Alors, c'est pas les non-genres, je vais vous expliquer. Hein. Nous, on sait quand même, on a évolué, hein, l'Homo sapiens sapiens a évolué, d'accord? Et au fur et à mesure de son évolution, voilà, on est arrivé à la civilisation. Et puis, aujourd'hui, il y a des choses qui font partie intégrante hein, de différentes cultures du monde entier. Attention, hein, ce n'est pas dans tous les pays du monde. Hein, il y a encore des endroits où certaines choses ne sont pas acceptées, comme l'homosexualité, par exemple. Hein, on est chanceux quand même dans certains pays comme les nôtres, en France, au Québec. Hein, au Québec, on marie les homosexuels. Hein, j'ai la chance de faire plusieurs mariages gays, et ça, c'est fantastique. J'ai la chance d'avoir des amis gays autour de moi. Donc, l'homosexualité, dans beaucoup de pays, heureusement, eh bien, c'est dernièrement en Inde, là, je pense, il y a eu le premier mariage homosexuel. Voilà, c'est devenu quelque chose qui, waouh, hein. Puis moi, pour moi, je trouve ça tellement, tellement normal que qu'on puisse tolérer ces choses-là, parce que voilà, hein, l'homosexuel existe dans la nature, hein. Les animaux sont homosexuels, ont des relations homosexuelles. Donc voilà, ça, je pense que c'est bien assimilé par tout le monde, c'est accepté, etc. Bien qu'il y en a qui supportent pas, hein. Il y en a qui disent, mais attends, hein. Et effectivement, quand on y pense, hein, les gens qui vont être extrémistes, par exemple, vont dire, attends, mais si tu es homosexuel, pourquoi tu demandes à avoir un enfant? Hein, moi, j'ai des amis à qui j'ai fait le mariage, d'ailleurs. C'était une amie qui m'a demandé de faire son mariage parce qu'on est des amis. Un couple de filles, hein, gays, elles ont toutes les deux un garçon qui a 14-15 ans aujourd'hui, magnifique, il est beau. Plus beau que Justin Bieber, hein, mais vraiment le beau gosse. Et c'est vrai qu'il leur ressemble à toutes les deux, tu vois. Donc, effectivement, dans leur cas, hein, elles ont été chercher hein, le spermatozoïde et l'ovule de personnes qui les ressemblent. Et bling, ça donne un enfant ou le spermatozoïde d'un gars qui ressemble à l'autre. Et puis celle qui portait le bébé, hop, ovulation. Et puis du coup, l'enfant, il ressemble aux deux filles, quoi. C'est assez impressionnant de voir comme ça fonctionne bien. Bref, mais tu as des gens qui vont dire, ouais, mais est-ce que lorsqu'on est homosexuel, pourquoi on ne va pas jusqu'au bout du truc? T'es homo, bah, t'as pas d'enfant. Hein, parce qu'au départ, l'homosexualité, tu peux pas avoir d'enfant, quoi. Hein, si tu décides d'être homosexuel, on disait, allez, tout le monde est homosexuel. Allez, hop, à partir de maintenant, on est tous homosexuels. Ben, ça va s'arrêter là, quoi. Hein. Il y a une génération, puis c'est fini. Donc, il y a des gens qui supportent pas. Hein, c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont dans les rues pour ça. Mais bref.
Dans une grande partie de la planète aujourd'hui, on accepte quand même largement l'homosexualité, y compris avec ou sans enfant. Après, alors du coup, on a commencé à voir arriver, donc il y a toutes ces associations LGBT. Et là, on nous a fait apparaître les non-genrés. Hein. Donc maintenant, il y a des toilettes, on est obligé de faire des toilettes avec hommes, femmes, handicapés. Puis d'un coup, là, il n'y a plus de signes. Non, non genré, tu vois, non binaire ou non genré, là, c'est, voilà, ça dépend comment on veut le. Ok, donc voilà, alors ils sont ni hommes ni femmes, tu vois. Ils ont décidé, hein, puis c'est des gens qui ont décidé qu'ils sont ni hommes ni femmes, tu vois. Moi là, ça y est, là, déjà à ce moment-là, je commençais un peu à décrocher, je me dis, ouh là 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 là. Où est-ce qu'on sera? Et puis ils sont obligés, comme les LGBT, moi ce serait ça, vous le savez déjà, je l'ai déjà dit, ils sont obligés de sortir des pancartes, ouais, je suis normal, ouais, acceptez-nous comme on est, ben oui, ben, on t'accepte, hein, vieux, oh, on t'accepte, pas la peine de prendre une pancarte, parce que si t'es normal, t'as pas besoin de prendre une pancarte, hein. Moi personnellement, je me sens normal, je suis un être humain, avec mes penchants, mes qualités, mes défauts, mes vices, tout ce que tu veux. Hein, j'ai pas besoin de sortir dans la rue avec une pancarte pour dire, oh, allô, je suis normal. Hein, je suis malin, pas la peine. Je considère que les gens m'acceptent comme je suis, et puis j'ai pas besoin de pancarte. Bon, donc là, c'est des pancartes, mais c'est des pancartes qui rentrent de plus en plus, quoi. LGBT, NG, non binaire, NB, attends, LGBT, NB, nanana. Après, t'as ceux qui, il y en a, tu sais, mais ça ne va pas. Donc ça, c'est encore une autre catégorie. Il y en a qui. Enfin, bref, on est en train de mettre des catégories, un truc de ouf, quoi. Et ça, j'avais déjà dit, hein, il y a peut-être un an dans un café, que je commençais vraiment à plus rien comprendre et à perdre la tête. Et là, on a encore mieux, hein, ça c'est une bonne façon. Et puis elle a réussi, hein, la preuve, elle est dans le monde.fr, hein, la petite gamine. Elle a réussi, elle, à créer un nouveau truc, c'est les agenres. C'est-à-dire. Hein, elle décide le matin si c'est un gars ou si c'est une fille. Hein? Alors déjà, à 14 ans, elle veut plus être une fille, elle décide d'être un mec. Ça a dû fonctionner, tu sais, genre pendant un an ou deux, là, tu sais, c'était la star dans la famille, tu vois. C'était la nana, quand elle arrivait, tu avais tout le monde qui attendait de la voir, tu vois. Est-ce qu'elle a du poil qui lui pousse sur le menton, tu vois? On ne sait jamais des fois, hein? Est-ce qu'elle a perdu des nichons, tu vois? Est-ce qu'elle s'habille vraiment comme un mec? Regarde, est-ce qu'elle est en legging ou pas? Parce que peut-être qu'en legging, on va voir si son opération, ça ressemble à quelque chose. Est-ce qu'elle va se mettre en maillot de bain ou il va rester en short? Ah, bref, bon. Donc ça a été la star, et puis d'un coup, c'est plus la star. Ça y est, c'est passé, tout le monde l'a vu. Donc, elle a inventé un truc. Moi, je suis en train vraiment d'exagérer le truc, là, parce que, hein, vous me connaissez, hein, mais. On fait tout ça dans l'amour, hein, on est d'accord avec ça, là. Je suis en train d'insulter aucune catégorie de gens, hein. Puis, de toute façon, cette catégorie-là est pas encore, elle est pas encore, hein, donc, à genre. Et donc voilà, elle dit à sa mère, et c'est moi ce qui m'a le plus touché, c'est la maman, tu vois. La maman qui dit, bah oui, bah écoutez, moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis obligé de vivre avec ça. Avec ma fille, enfin mon fils, enfin, avec elle, tu vois, la maman, elle est paumée, tu vois, 43 ans, elle sait plus ce qu'elle a, quoi. Et la gamine, elle lui fait bien comprendre, elle lui dit, quand on va dans un endroit, maman, aujourd'hui, attention, c'est mon fils, tu dois pas dire ma fille, hein, attention, parce que là, aujourd'hui, je suis un gars, ou aujourd'hui, je suis une fille, hein. Et voilà, donc, alors, est-ce que tout ce phénomène qu'on est en train de vivre de plus en plus, hein, parce que ça apparaît partout, quoi, hein, tous ces gens-là. Alors, le truc, il me sortait quelque chose hier. Mon fils me parle, il me dit, puis moi, il y a un truc que je ne supporte pas, c'est les gens qui disent, mais je suis tellement fier de mes parents, moi, j'ai des parents gays, je suis fier de mes parents. Pourquoi tu n'as pas besoin d'être fier d'eux? Si c'est tes parents, c'est logique, c'est normal. Pourquoi, s'ils étaient hétéros, tu ne serais pas fier? C'est quoi cette histoire de dire je suis fier de mes parents qui sont gays? Est-ce que
Est-ce que c'est moins bien? Est-ce que c'est mieux d'être hétéro? Est-ce que c'est tes parents là, donc, qui t'ont élevé? Bah, si tu es fier de ça, bah, c'est magnifique. Tu as bien raison. Ça doit être deux personnes formidables. S'ils ont décidé de te donner de l'amour, de te nourrir, de t'apporter ta sécurité, tout ce que tu as besoin. Ben oui. Donc, pourquoi, c'est comme l'histoire de la pancarte, pourquoi tu te sens obligé de dire, oh, puis tu sais, moi là, mes parents là, mes deux papas là, j'en suis fier. On dirait que à chaque fois, on essaie de créer hein, cette différence, le fait d'être différent. Tu vois. Mais alors, quand tu décides d'être à-genre, est-ce que c'est pas tout simplement une façon de crier, hein, de lancer une alerte, une alarme hein, à tous tes amis, à tous les gens qui sont autour de toi, aux gens qui t'aiment, une alarme pour dire, tu veux encore ça, mon bébé? Oh là là, tu connais, hein? Oh oui, tiens, allez, viens te régaler, mon bébé. Vas-y, viens. Toi, t'es pas au régime, toi. Allez, mange. Est-ce que c'est pas un cri d'alerte, ça, pour vous? Est-ce que c'est pas une alarme que l'enfant, le gamin, l'ado, l'adulte, tout ce que tu veux là, est en train de lancer pour dire oh, je suis pas bien dans ma peau là. Est-ce que, ben, je sais pas. C'est une question que je pose, hein. C'est parce que je me la pose à moi-même, donc je suis pas en train de dire quelque chose, je suis en train de... une réflexion là. Non, parce que t'imagines, si on commence à laisser ça, à laisser traîner ce genre de choses. Je pense que je l'ai dit hier dans le café déjà. Ça veut dire que demain, moi, je me lève, et puis ça y est, je suis une table, quoi. Ah, j'ai décidé, là, aujourd'hui, là, tu fais attention comment tu me parles. Hein, moi, je suis une table, quoi. J'ai quatre pattes, et puis, voilà, quand tu me parles, là, tu me parles comme tu parlerais à une table. Hein. Bon, le mieux, c'est d'être un téléphone, hein, parce qu'au moins un téléphone, on peut lui parler. Mais, hein, moi, je suis, ah là, ça serait bien, ça. Moi, je suis un téléphone. Vas-y, tu peux me toucher, moi. Vas-y, touche-moi, je suis un téléphone. Oh, ouais. Vas-y, je suis multitâche en plus. Tu peux, fais glisser comme ça, voilà, puis tu vas voir, il y a plein de choses qui vont apparaître. Je suis un téléphone. Je suis capable de mettre des vidéos, de faire plein de choses. Ouais, je suis un téléphone. Mais pourquoi ça serait plus fou que de dire, ben, aujourd'hui je suis un mec. Puis demain de dire, ben, aujourd'hui je suis une fille, je suis une femme. Homo sapiens sapiens, là, c'est un mâle et puis une femelle, comme tous les animaux dans la nature. Est-ce que demain, un éclectus, tiens, t'as l'éclectus qui débarque, tu sais, il arrive, il dit, tiens, ben moi aujourd'hui je vais être rouge et bleu, ouais, je suis une fille. Là, t'as tous ses copains qui disent, hey, du con, non, t'es vert avec un bec orange, tu restes un mâle. Hein. Non, dans moi, au fond de moi, je suis une femelle. Non, mais sérieusement, on ferait un dessin animé, un anime Disney avec ce genre de truc, ça serait, on serait tous morts de rire, je pense, moi le premier. Après, à part les deux, trois agents qui existent sur la planète. Mais là, on va aller jusqu'où? On va ouvrir jusqu'où ces portes-là? Tu sais, il y a des choses qui sont compréhensibles. Les transgenres, par exemple, il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre ça. Moi, je comprends, par exemple. Enfin, moi, je comprends. Je suis qui, moi, pour dire moi, je comprends. Je pense que c'est compréhensible. Hein? Parce qu'au départ, hein, on le sait tous, lorsque on est dans le ventre de notre maman, le fœtus, hein, on commence féminin. Hein, on est féminin au départ. Oui, on est tous féminins. Oui, même toi, le patron, ouais, le big boss, là, avec sa grosse gueule, là, ouais, Lolo, tu étais une fille au tout début, là, mais vraiment au tout début. Hein, on parle des 8 premières semaines, là, hein, pas plus que ça. Hein. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Hein, on a. Le sexe féminin qui va, à un moment donné, avec des chromosomes X et Y qui vont venir donner l'ADN hein, de cet être, qui vont faire que, oups là, et les lèvres vont se refermer pour pouvoir contenir hein, ça sera les bourses, hein, les futures bourses pour contenir les testicules, et on a un petit clitoris qui va s'allonger avec son petit chapeau qui sera un prépuce, et ce qui ressemblait au départ à un sexe féminin devient un sexe masculin,
puis on devient un petit garçon. Alors moi, je peux très très bien comprendre qu'il y ait une erreur de la nature, ou pas une erreur, parce que là, ça y est, il y a des trans qui vont dire, ah, moi, j'étais pas une erreur, moi, j'étais bien, mais j'ai décidé que, ok, c'était pas une erreur, il n'y a pas de problème avec ça. Moi, je veux bien croire que ça n'a pas fonctionné entre là, puis là. Hein? Ça n'a pas fonctionné. Il y a quelque chose à un moment donné là où tout le reste c'était une fille. On voit très bien, hein, on appelle ça des gens qui sont androgynes. Et donc ces gens androgynes, justement, ben, se sentent pas bien dans leur peau, préfèrent jouer à la poupée. Attention, alors là encore une fois, attention, là, parce que oui, c'est l'Indien, on va me tomber dessus. Maintenant, il faut que les mecs aussi jouent à la poupée et que les filles jouent aux pompiers. Hein. Je ne sais pas, moi, pour moi, c'était naturel, ça, cette histoire-là. Hein. Moi, naturellement, je préférais jouer avec des petites voitures dans la poussière. Quand j'étais petit, je me faisais gronder parce que ouais, prendre dans les voitures, puis tu vois, pour faire de la poussière avec des petites voitures majorettes, là. Moi, je ne me serais pas venu à l'idée de jouer à la poupée, par exemple. Hein. Dans ma tête à moi, là, c'était pas mon truc. Je n'étais pas attiré par ça, tu vois. Mais aujourd'hui, pour pouvoir ouvrir la porte à tout le monde, il faudrait que les mecs soient les bébés. On les laisse, hein, les petits garçons jouent à la poupée, s'habillent en rose, etc. pour éviter les clichés, mais du coup, ça devient encore plus cliché, quoi. C'est le cliché du cliché, tu vois. Enfin, à mon avis, hein, mais heureusement, ça va tuer personne. Ça, le ridicule n'a jamais tué. D'en aller dans les extrêmes comme ça, moi, ça me fait bizarre. Hein. Hein, mais surtout qu'on dit qu'on évolue, puis que de plus en plus, voilà. Et pour en revenir, où est-ce que j'en étais? Ouais, donc les transsexuels, que cette personne qui depuis le début, elle sent bien qu'elle a pas, elle pense pas comme le sexe opposé. Hein, elle a pas la même façon d'être, la même façon de se tenir. Elle se sent bien entre copines et tout. Qu'à un moment donné, elle décide de dire, écoute, moi j'ai envie que mon corps il aille avec ce que je pense, avec mon cœur, avec ma tête, avec mes besoins, avec mes pulsions, avec mes envies, mes attentes et tout ça. Ouais. On est capable aujourd'hui de te mettre une verge en je sais plus combien d'heures là. Je pense que ça prend plus d'heures pour mettre une verge que pour l'inverse. Mais bref, et ben pourquoi pas. Pourquoi pas. Après avoir rencontré des psys, après avoir discuté, pris une sage décision, je dis, pour moi, j'arrive à comprendre ça. Mais la personne qui te dit maintenant, là, moi, alors déjà, les non-genrés, je vous avoue que j'avais déjà décroché, moi, d'accord, donc, ni homme, ni femme, ouais, donc, est-ce qu'on te met dans la catégorie animal, être vivant, mobile, immobile, tu vois, combien de temps ça peut durer, ce genre de crise aussi chez quelqu'un, hein, quand on sait qu'il y a des gens qui se suicident pour moins que ça, tu sais, quand il y a des gens qui sont mal dans leur peau, ils vont se suicider. Alors, est-ce qu'on va dire, ben non, mais c'est tellement mieux ça que le suicide? Oui, oui, pas sûr. Pas sûr, parce que je ne sais pas si après, il n'y a pas un moment d'égoïsme. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu égoïste? Est-ce qu'on ne pense pas qu'à soi? Est-ce qu'on n'est pas un peu égocentrique? Est-ce que ce n'est pas pour attirer toute l'attention quand on pense qu'on n'en a pas? C'est certain qu'il y a des sujets qui ne sont pas évidents, hein, à traiter quand on parle comme ça dans un petit café. On serait autour d'un café pour de vrai, c'est pas pareil, parce qu'une fois qu'on se lève, qu'on part du café, ben ça y est, c'est terminé, tu vois. Mais, parce que là ça reste en vidéo. Moi, il y a des choses que j'ai... Moi, par exemple, en tant que père de famille, en tant que père de mes enfants, eh bien, voilà quoi, je ne serais pas arrivé devant l'école de mes enfants en pyjama, par exemple. Tu vois, je ne serais pas arrivé en pyjama avec une queue de bunny, machin. J'aurais pas amené mes enfants comme ça, parce que je sais très bien que c'est dur d'être un enfant dans une école primaire ou même dans une école secondaire ou quoi. C'est déjà assez dur d'être juste un enfant, tu vois. Juste grandir en société quand tu es un enfant, pour un peu que tu aies de l'acné, pour un peu que tu sois gros, petit, maigre, plus grand, plus...
Donc, imagine quand ton père arrive en bunny, quoi, tu sais. Et là, je vais dire, non, mais c'est parce que moi, je suis un spécialiste des lapins, tu vois. Ah, moi, les lapins, c'est tout mon truc, tu vois. Moi, de temps en temps, je me lève le matin et puis je suis un bélier, tu vois. Ouais. Puis le lendemain, je me lève, ouais, aujourd'hui, tu vois, je suis un rex. Et puis là, demain, je suis un lapin, là. Ouais, j'ai un lapin, là. Et je change change de pyjama tous les jours, mais ça, c'est mon truc, tu vois. Moi, je suis un fou du pyjama et des lapins. Tu vois? Et là, tu te dis, ben oui, mais moi, je fais ça, mais mes enfants, je les aime, tu vois? J'aime mes enfants. Tu comprends? Mais si tu les aimes, tu peux pas réfléchir un tout petit peu, que voilà, quoi, ça va, tu es en train de faire quelque chose qui va faire que leur vie va être difficile, tu vois, à ce moment-là. Hein? Donc si tu arrives et puis que tu commences à penser juste à toi, à dire mais non mais moi c'est pas grave, mon enfant il va m'aimer comme je suis. Oui il va t'aimer, mais c'est sûr qu'il va t'aimer. Et toi est-ce que tu l'aimes vraiment? Est-ce que tu aimes vraiment cet enfant? Est-ce que tu aimes vraiment les gens? Est-ce que tu t'aimes pas plus toi que tu n'aimes les... Enfin bref. Voilà un petit sujet de la réflexion sur lequel j'avais envie de t'emmener avec moi. Alors, t'imagines bien que là, en fait, le petit café de ce matin, je l'ai enregistré hier soir. Donc, comment veux-tu que je sache déjà qu'est-ce que je vais faire pour le petit café de demain, vu qu'en général, ce sont quand même des sujets d'actualité sur lesquels je passe, hein? Donc, pas évident hein, pour moi de te dire qu'est-ce qu'il va y avoir demain dans le petit café, ça sera juste une surprise, hein, puis c'est ça quand même le petit café au départ. Je rappelle que le jeudi, ça sera les messages de toutes les personnes qui m'auront fait un don sur PayPal. Ça me fait plaisir quand vous mettez des beaux messages, donc je lirai les messages jeudi. Et pour vendredi, ce sont vos messages Facebook pour souhaiter la bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Et il y aura une thématique. Mais ça, je vous en parle donc demain. Voilà, voilà de quoi je vais parler demain mercredi dans le petit café. Merci beaucoup de partager ce café. Merci de mettre les petits pouces en l'air, s'il te plaît. Les petits pouces en l'air, c'est très très important. Attention, si t'es pas abonné, abonne-toi. Et puis bien sûr, hein, merci pour vos dons. Toujours pareil, PayPal, multitaskman, 777, @gmail.com. Je te fais un énorme bisou. Jackson, tu es remonté au bon moment, dis donc. Admirablement synchrone, Votre Majesté. Oui, j'aime bien les petites citations du roi Lion comme ça. Ouais. Alors, on va se quitter sur un bonus. Un bonus avec quelqu'un que j'ai rencontré hier. Il passait à vélo. J'étais en train de discuter avec Sophie. Oui, on était avec Sophie en train de parler, puis bling, le gars il s'est approché, il a vu Jackson, il dit, ah, je vous ai vu, vous il y a déjà 3 ans, vous étiez déjà là avec votre perruquet. Je dis oui. Et puis voilà. Donc j'ai dû dire à Sophie, bye bye Sophie. Et j'ai discuté avec ce monsieur, il s'appelle Rick. Un petit bonus pour finir ce petit café. Je te fais un énorme bisou, je t'aime fort. Bonjour, je viens de rencontrer quelqu'un comme ça, quelqu'un que j'avais déjà croisé il y a 3 ans, qui avait pris une photo avec Jackson, on avait posé. Puis c'est un photographe, ornithologue, donc il aime prendre en photo les oiseaux, les animaux. Et puis, monsieur, il s'arrête avec son vélo, tout simplement, il s'approche de la table. J'étais en train de discuter avec une abonnée. Et puis, voilà, il me dit, écoute, c'est ce qui m'arrive. J'ai ma tante, s'appelle Gisèle, elle a 75 ans. Donc, vous imaginez une relation émotionnelle assez forte quand même, la sœur de sa maman qui nous a quittés hein, il y a quelques temps de ça. Et ce monsieur, raconte-moi un peu qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'elle a fait cette Gisèle? Elle a décidé de partir de Repentigny pour s'en venir à Terrebonne pour venir vraiment me porter cette toile qu'elle avait faite. Une toile? Une toile, une peinture, puis je vais vous montrer. C'est une des plus belles que j'ai vues de ma vie. Elle a fait ça, peinture à Wow! l'huile, pour moi spécialement. Magnifique! J'ai pleuré quand je l'ai vue. Ah, oh, wow! J'étais content de revoir, J'imagine! c'était la famille, puis ça. Ben, tu Pas vois, besoin regarde! de cadre en plus. Il est déjà tout fait, elle a même peint le contour. T'auras pas besoin de l'encadrer. C'est déjà tout fait. Et regardez ça comme c'est beau, mesdames et messieurs.
Regardez cette peinture. Ça fait partie des instants magiques que j'aime partager avec toi, avec vous. Pouvoir rencontrer comme ça, quand je viens au Parc des Moulins, rencontrer des gens, c'est le bonus de ce petit café de ce matin. Vous allez pouvoir en profiter. Regardez, on va finir avec ces images magnifiques. Je vous dis à demain. Merci beaucoup, Eric, d'avoir partagé ce moment Ça fait d'émotion, plaisir. ce moment de joie. Ma chaîne s'appelle Multitaskman et elle est là pour partager des moments comme ça. Merci beaucoup, Eric. À la prochaine. À la prochaine.